L'Empire Inca fut, du 15e au 16e siècle, un des états de la civilisation andine, et le plus vaste empire de l'Amérique précolombienne. Son territoire s'est en effet étendu, à son extension maximale, sur près de 4500 km de long, depuis le sud-ouest de l'actuelle Colombie, vallée de l'Ancazmeyo, et même un moment au Rio Pacia, région de San Juan de Pasto, au nord, jusqu'au milieu de l'actuel Chili. Au Rio Mhol, au sud, et comprenant la quasi-totalité des territoires actuels du Pérou et de l'Équateur, ainsi qu'une partie importante de la Bolivie, du Chili, est significative de l'Argentine du Nord-Ouest, soit sur une superficie de plus de 3 fois celle de la France d'aujourd'hui. Héritier des civilisations andines préexistantes, il est émaillé par un important réseau de routes d'environ 22 500 à 38 600 km convergeant vers sa capitale, Cusco. La civilisation Inca est une civilisation précolombienne, du groupe andin. Elle prend naissance au début du XIIIe siècle, dans le bassin de Cusco, situé l'actuel Pérou. Elle se développe ensuite le long de l'océan Pacifique et de la cordillère des Andes, couvrant la partie occidentale de l'Amérique du Sud. À son apogée, elle s'étend de la Colombie jusqu'à l'Argentine et au Chili, en couvrant la plus grande partie des territoires actuels de l'Équateur, du Pérou et près de la moitié ouest de la Bolivie. Elle est à l'origine de l'Empire Inca, l'un des grands royaumes de l'Amérique précolombienne. Cet empire avait pour chef suprême le Sapa Inca. L'Empire Inca fut conquis par les conquistadors espagnols, sous les ordres de Francisco Pizarro, à partir de 1532. L'une des grandes singularités de cet empire fut d'avoir intégré, dans une organisation étatique originale, la multiplicité socioculturelle des populations hétérogènes qui le composaient. Les premières traces humaines en Amérique du Sud datent au moins du 30e millénaire avant notre ère. Cette présence humaine est attestée sur le site archéologique de Pedra Furada, la pierre percée, en portugais, située dans le parc national de la Serra da Capivara, Piauí, au nord-est du Brésil, qui représente probablement le site humain connu le plus ancien en Amérique. Vivant de chasse et de cueillette, ces peuples nomades s'intéressaient progressivement à l'agriculture. Les propriétés nutritionnelles du maïs, cultivées dès le 3e millénaire, dans la région d'Ayacucho, permettaient d'accroître son importance. Le développement de l'agriculture entraîna des changements sociaux importants, la population explose, des villes apparaissent, et une élite religieuse se crée. Le premier millénaire avant notre ère voit ainsi s'épanouir la civilisation Chavín, unissant dans un style artistique commun de nombreuses cultures locales, probablement grâce à un culte unique, dont un élément caractéristique est l'image du jaguar. Entre le 1er et le 8e siècle, l'unité créée par la civilisation Chavín disparut au profit de cultures plus locales, Mochica, Paracanazeca, Tivanacu. Le développement agricole, notamment l'irrigation et l'aménagement de terrasses, continue. À partir du 8e siècle, deux villes des hautes terres rayonnent particulièrement et regroupent sous leur bannière les peuples andins, Tivanacu, vers le sud, jusqu'au nord du Chili, et Huari, vers le nord. Les états de Tiahuanaco et Huari s'effondrent brusquement au 12e siècle. À nouveau, le régionalisme prévaut dans un premier temps, puis de nouvelles tentatives d'intégration impérialiste ont lieu. Ainsi, vers le milieu du XIIIe siècle, le peuple Chimú initie la création d'un nouvel empire, sur la côte nord du Pérou actuel, fondé sur l'aménagement hydraulique. L'empire Chimú s'étend le long de la côte, jusqu'à l'actuelle frontière équatorienne, et il entre inévitablement en rivalité avec l'empire Inca, l'autre grand empire andin du XVe siècle, ce qui lui sera fatal. Différents témoignages ont été recueillis quant à l'origine des Incas. Selon la légende de Manco Capac et Mama Oclo, les Incas descendent de Manco Capac. Plusieurs versions de cette légende en font la création de Viracocha et d'Inti, le dieu du soleil, le faisant naître près de Cuzco, légende de Pacaritambo, ou sortir du lac Titicaca, avec sa sœur épouse, Mama Oclo, envoyée par Viracocha, le dieu créateur, pour apporter la civilisation aux hommes après le grand déluge qui avait tout dévasté.
Selon cette dernière version, ils voyagèrent, jusqu'à ce que le bâton magique en or de Manco s'enfonce totalement dans la terre, pour leur désigner le lieu où s'établir. La terre de ce lieu serait suffisamment riche pour les accueillir. C'est là qu'ils fondèrent la première ville inca qui deviendra Cuzco, c'est-à-dire le nombril, en Quechua. Manco Capac enseigna alors aux hommes l'agriculture et l'artisanat, et Mama Oclo enseigna aux femmes l'art du tissage. À l'heure actuelle, l'origine géographique des premiers Incas reste discutée, l'hypothèse communément admise étant qu'ils provenaient des rives du lac Titicaca, à la frontière du Pérou et de la Bolivie. Le rapprochement est souvent évoqué avec la civilisation méconnue de Tiahuanaco, en Bolivie. Les Incas seraient donc un groupe d'hommes mené par Manco Capac. Après une migration vers le nord, celui-ci s'allie avec quelques communautés Quechua pour déloger les habitants de la vallée de Cuzco. Ce sont dès lors tous les descendants de ces premiers colons, ainsi que leurs alliés, qui sont considérés comme Incas. La présence des Incas en Amazonie est attestée par la découverte de la cité agricole Inca de Mameria par deux explorateurs franco-péruviens en 1979, Nicole et Herbert Cartagena, en compagnie du péruvien Goyo Toledo. L'analyse d'un morceau de charbon trouvé à Mameria, effectué par Grégory de Hiermangian, donne une datation de 1345 après Jésus-Christ, avec une plage d'erreur allant de 1240 à 1500 après Jésus-Christ. Cette datation laisse donc les deux hypothèses ouvertes, d'une occupation inca ou huari tardif, empire pré-inca de culture quechua. Toute la question est donc de savoir si cette cité de Mameria est antérieure ou postérieure à l'arrivée des Incas dans la vallée du Cuzco. En parallèle, les ruines récemment trouvées par l'équipe franco-péruvienne Inca Aliacta en 2015 montrent une occupation probablement huari à proximité de Mameria, cordillère du Toporac, dans la vallée Norlaco et dans le parc du Mugantoni. D'autres sources argumentent l'hypothèse amazonienne de l'origine des Incas à partir de certaines parentés linguistiques. Certains traits, notamment la langue, laissent penser que les Incas seraient originaires de la forêt amazonienne et que le groupe conduit par Manco Capac aurait été composé de plusieurs lignages, unis par des liens de parenté. Quoi qu'il en soit, la question demeure donc ouverte de l'origine des Incas, ou plutôt de la localisation de l'ethnie Tepicala de Manco Capac, dont les Incas sont la filiation directe, avant son arrivée dans la vallée sacrée. Histoire de l'Empire Inca. À leur arrivée, dans la région de Cuzco, les Incas ne sont qu'une tribu parmi d'autres, dans une confédération locale, occupant dans un premier temps un rang subordonné. Leur position de chef militaire dans la confédération leur permet de gagner progressivement de l'influence lors des règnes successifs de Sinchiroca, Yoc-Yupanqui, Maïta Capac et Capac-Yupanqui. Finalement, à la mort de Capac-Yupanqui, Inca Roca s'empare du contrôle de la confédération. Yahuaruacac, puis Viracocha Inca, étant de la domination Inca. Néanmoins, le territoire Inca ne dépasse pas un rayon de 40 km autour de Cuzco. En 1438, lors d'une guerre avec la tribu voisine des Chanca, Viracocha abandonne la capitale, mais son fils Pachacutec la défend avec succès et défait les Chanca. C'est le début de l'expansion extrêmement rapide de l'Empire. Le fils de Pachacutec, Tupac Yupanqui, et son fils après lui, Huayna Capac, repoussent les frontières de l'Empire du Chili, au sud de la Colombie. L'Empire est à son apogée. En 1532, 180 conquistadors espagnols débarquent et commencent la conquête de l'Empire Inca. Bien que peu nombreux face aux armées Incas, de plusieurs dizaines de milliers de soldats, cette conquête est très rapide. Les historiens expliquent cela par une combinaison de plusieurs raisons, la guerre de succession, consécutive à la mort de Huayna Capac en 1527. La rapide capture du nouvel empereur Atahualpa. La supériorité militaire des Espagnols, tant par leur armement, chevaux, armures en métal et armes à feu, que par leur stratégie. Leur habileté diplomatique a soulevé contre l'Empire des tribus locales ainsi que l'assimilation par les Incas des Espagnols
à des dieux annoncés par des prophéties. La conquête espagnole s'accompagne de nombreux pillages et de massacres. La colonisation qui s'ensuit engendre une catastrophe démographique majeure. La population de l'Empire Inca, estimée entre 12 et 15 millions de personnes avant la conquête, est d'environ 600 000 un siècle plus tard. L'exploitation des indigènes et leur manque de défense immunitaire contre les maladies apportées par les Espagnols en sont les principales raisons. Prisonnier de Pizarro, Atahualpa lui donna tout son or en échange de sa libération. Pizarro prit l'or, mais fit malgré cet accord exécuter l'empereur le 29 août 1533. Les Incas se rebelleront tout de même plusieurs fois, notamment en 1536 sous le commandement de Manco Inca. La ville de Vilcabamba devient le centre d'un noyau de résistance Inca qui subsistera jusqu'en 1572. La résistance aura un sursaut au XVIIe et XVIIIe siècle. Le plus important épisode sera celui de Tupac Amaru II, en 1780, toujours avec l'objectif avorté de restaurer l'Empire Inca. La liste des empereurs Incas s'appelle la Capacuna, en Quechua, les plus puissants parmi les êtres humains. Avant Viracocha Inca, les empereurs Incas sont semi-légendaires, et les dates de leur règne sont particulièrement incertaines. Entre 1533 et 1572, une partie des fils de Huayna Capac se révolte contre les Espagnols et se réfugie dans la région de Vilcabamba. Leur emprise territoriale reste localisée aux alentours de ce centre de résistance. Après avoir formé pendant des siècles une puissance locale, quoique en expansion régulière, les Incas rêvèrent d'un plus grand royaume. Ils allaient conquérir 780 000 km² en quelques générations. Vers 1400, ayant soumis leurs voisins, les rois Incas mènent leur première conquête en dehors de la région de Cuzco. Vers 1470, poussant vers la côte, les Incas défont l'Empire Chimú et emmènent avec eux de nombreux artisans de la puissance vaincue. Vers 1500, se tournant vers le sud, les Incas s'emparent d'un vaste territoire, s'étendant jusqu'aux limites de la Patagonie. Vers 1532, lors d'une offensive finale, le long des pentes orientales des Andes, les Incas pénètrent plus avant à l'intérieur du bassin de l'Amazone. Le Sapa Inca, chef suprême de l'Empire, est avant tout un guerrier, et c'est un rapport très personnel qui le lie aux chefs locaux des tribus conquises. Ces relations sont souvent à établir à nouveau lors de chaque succession, ce qui amène parfois des guerres de reconquête. Ces liens ont une importance capitale dans la gestion des provinces côtières. Au contraire des provinces andines, les Incas n'y créent en effet ni ville ni administration. Ces provinces en sont par ailleurs souvent déjà pourvues par héritage des civilisations précédentes. Les Incas se contentent de gouverner à distance en maintenant les élites locales. Dans les Andes, par contre, les Incas créent de véritables capitales provinciales. Si les liens personnels entre les chefs locaux et le Sapa Inca restent importants, une administration impériale est établie en parallèle. À la tête de ces provinces sont nommés des gouverneurs de province, Tucriques, représentant l'empereur localement. Ces gouverneurs sont entourés de fonctionnaires quipucameyoc, qui procèdent au recensement de la population à l'aide des quipus. Le recensement revêt en effet un rôle particulièrement important dans un état où les seules tribus versées le sont sous forme de corvée. La hiérarchie dans l'Empire Inca reprend l'organisation traditionnelle des communautés andines. L'Inca est à la fois chef de son clan et souverain de tout l'Empire. L'organisation communautaire est à la base de la structure de l'Empire. Dans de nombreux cas, l'Inca conquérant veille à ne pas bousculer l'organisation traditionnelle des populations, à assimiler, et laisse en place les autorités traditionnelles, et leur confie des instructeurs du clan Inca, pour les informer des lois de l'Empire, et les instruire dans la religion officielle. Ces autorités locales étaient donc encadrées, et rendaient compte à des supérieurs hiérarchiques, qui tous étaient membres du clan Inca. D'une manière générale, il existait trois classes, la classe laborieuse, constitué des paysans et artisans. La classe de gouvernance locale est, au sommet, la classe dirigeante de souche Inca, qui tenait les rênes de l'Empire.
Cette classe dirigeante était organisée comme un clan ordinaire dont les membres étaient appelés aux plus hautes fonctions au sein de l'Empire, qu'elles soient religieuses, militaires ou administratives. Cette société était donc fondée sur un système de castes, et on ne pouvait que très difficilement, exceptionnellement changer de rang. Un individu de la classe laborieuse pouvait accéder à la classe dirigeante, à la suite d'un exploit militaire, ou grâce à quelque autre mérite. Il arrivait, dans un but politique, que des dirigeants coopératifs de peuples vaincus obtiennent des postes à responsabilité, souvent celui de Kuraka. Le groupe social de base est formé par la famille constituée, des parents et des enfants célibataires. L'homme travaille au champ et pratique éventuellement de l'artisanat, tandis que la femme s'occupe de la cuisine et de l'entretien de la maison. L'entraide entre familles est très fréquente, notamment au moment des récoltes. Les personnes invalides sont généralement soutenues par l'ensemble de la communauté. Les peuples des Andes sont répartis dans de nombreux villages situés sur des hauteurs. L'ensemble des familles, la plupart du temps liées par le sang, qui habitent un village forme un alu. Un chef, Kuraka, dirige l'alu réparti les travaux collectifs et les terres. L'alu possède en effet des terres agricoles, distribuées par le haut, ainsi que des pâturages, d'accès collectif. Les alus sont organisés en chefferies, regroupant plusieurs alus, sous la domination de l'un d'entre eux. Les alus dépendants doivent verser un tribut de corvée à l'alu dominant. En échange, ce dernier doit maintenir des réserves pour pallier les mauvaises récoltes et subvenir à l'entretien des pauvres. Des chefferies forment à leur tour des groupes sous la domination de l'une d'entre elles. L'Empire Inca s'inscrit dans le même schéma, l'empereur étant le chef du groupe de chefferies constitutif de l'Empire. Les conquêtes se faisaient, soit pacifiquement, et alors les souverains conquis conservaient un certain pouvoir, soit par armes, et le peuple vaincu était en partie déplacé dans une région solidement acquise aux Incas et qui lui était souvent totalement étrangère. Des peuples soumis de longue date à l'Empire venaient alors repeupler leurs terres. Ces déplacements de population furent très importants, notamment sous Tupaiupanqui et Huanacapac. À la différence des Mayas, les Incas ne disposaient pas de système d'écriture proprement dit. Mais les Quipus constituaient une mémoire complexe d'informations de nature diverse dans l'Empire, et leur maîtrise nécessitait plusieurs années d'études, se poursuivant toute la vie, un peu comme chez les scribes de l'Égypte antique. Le même manuscrit nous informe que l'interprétation des quipus juridiques, indiquant les peines prescrites pour chaque crime, était une véritable science, nécessitant des études prolongées, lors des séances du Conseil des 12 membres, le tribunal suprême de l'Empire, pour savoir ce que disaient les lois. Deux Indiens étaient choisis. Ils ne quittaient jamais les quipus, et ne cessaient de les étudier. Ils expliquaient la signification de toutes choses, et les études de ce genre se poursuivaient sans arrêt. La connaissance de ces questions pouvait se transmettre de génération en génération, car on sélectionnait de très jeunes garçons pour leur inculquer la science de toutes ces choses. La vie des Incas est rythmée par quatre étapes principales. La première s'effectue vers 2 ans. On fête le passage du bébé au statut d'enfant, en effectuant la cérémonie de la première coupe de cheveux, que l'on garde ensuite précieusement. La deuxième constitue le passage de l'enfance à l'âge adulte, vers 14 ou 15 ans. Pour les garçons, le rite de passage qui y est associé est appelé varachicuille, la mise du pagne, et comporte un jeûne et une série d'épreuves physiques. À cette occasion, on leur perce les oreilles pour y insérer les boucles, propres à l'ethnie Inca, on leur remet un pagne, et on leur donne un nouveau nom. Le rituel féminin, le kikuchicuille, première menstruation, est plus simple, et comportait également une phase de jeûne. La troisième étape est celle du mariage, entre 20 et 25 ans, pour les hommes, et de 16 à 20 ans, pour les femmes. Le couple s'établit dans une nouvelle maison, et bénéficie alors de tous les droits et devoirs. Parmi ses obligations, se trouve notamment celle de participer aux corvées collectives. Enfin, lors de la mort, les défunts sont placés dans des tours funéraires, ou des abris rocheux plus simples. Ils sont parés de leurs plus beaux atours,
et de leurs outils du quotidien, afin d'assurer leur subsistance dans l'au-delà. Le style inca d'encastrement de gros blocs de pierre est la plupart du temps réservé aux temples et palais. La Atahualpa, la plus grande pierre, en quechua, la fameuse pierre aux 12 angles, dans la rue du même nom à Cuzco. Elle fait partie du mur de l'archevêché, qui est en fait l'ancien palais du 6e empereur inca, Roca. Dans la plupart des cas, les Incas conservent les structures d'habitation des territoires conquis. Dans les terres hautes, ils construisent des capitales provinciales, mais la plupart des habitants habitent des villages de quelques centaines d'habitants. Chaque foyer y possède une cour bordée d'un muret en pierre, dans laquelle se trouve un ou plusieurs bâtiments circulaires, de 3 à 6 mètres de diamètre. Parmi ces bâtiments, il peut y avoir une cuisine, des chambres, des entrepôts. Les murs sont de pierre non taillée, ou d'adobe, et les toits de chaume. Sur la côte, les maisons populaires sont en roseau et celles de l'aristocratie en pisé. Le bois étant rare, tant dans la montagne que sur la côte, les Incas n'ont pas de mobilier. La vaisselle est posée à même le sol et on mange par terre. Les paysans Incas, comme leurs descendants péruviens actuels, prennent 2 repas par jour, vers 8h et 16 ou 17h, et une légère collation vers midi. Il est la grande majorité du temps végétarien, est composé de plantes et légumes bouillis dans une marmite. La viande, du lama ou de l'alpaga séché, ou du cochon d'Inde rôti, est réservée aux jours de fête. Néanmoins, sur la côte, les poissons sont très consommés. Le légume de base est la pomme de terre, qui peut être conservée pendant plus de 5 ans grâce à un processus de conservation complexe, qui comprend notamment l'exposition au gel et l'écrasement. Le maïs est également l'un des aliments de base, mais en plus grande quantité sur la côte que dans des Andes. Il est souvent utilisé pour produire de la bière légèrement alcoolisée. Enfin, il mastique des feuilles de coca, pour ses vertus médicinales, et son effet coupe-faim. Les paysans incas portent tous des vêtements assez semblables. Il s'agit, pour les hommes, d'un panier d'une tunique sans manches, auquel on ajoute une cape lorsque les conditions climatiques ou cérémonielles l'exigent. Les femmes, elles, portent une robe et une cape. Leur robe est constituée d'un simple morceau de tissu rectangulaire, enroulé autour d'elle, est maintenu par une ceinture et 2 fibules circulaires, au niveau des épaules. La cape est-elle accrochée, via une épingle, ou un nœud sur le devant. Leurs cheveux sont ceints d'un bandeau, et elles portent généralement un voile léger, pour s'abriter du soleil. Les vêtements sont généralement noirs, ou marrons dans les hautes terres, où ils sont faits de laine, et blancs sur la côte, où le coton est principalement utilisé. Ils sont la plupart du temps faits d'une seule pièce, et non pas composés de différents morceaux cousus entre eux. Les vêtements étant assez comparables partout dans les Andes, les différences sociales s'expriment principalement au niveau de la qualité du tissu employé pour leur confection. Mais la coiffure masculine est également un autre moyen de différenciation, l'élite porte des cheveux très longs, alors que le peuple se rase court. Les 2 sexes portent aux pieds des sandales ou des mocassins. Ils arborent également des bijoux, les hommes portent notamment des ornements d'oreilles cylindriques qui leur déforment les lobes, d'où leur surnom d'orejones, oreillards, que leur donnent les Espagnols. Les femmes, elles, portent plutôt des colliers, et des fibules. Le quotidien des paysans incas ne comporte que peu de divertissements, hormis ceux liés au travail en commun et aux cérémonies. Ces 2 derniers cas sont en effet des occasions de fête. Le travail en commun s'effectue en chantant et généralement accompagné d'un bon repas et de bière de maïs. De grandes battues sont organisées, par le sapa inca, tous les 4 ans. Elles sont également l'occasion de festoyer, et de consommer de la viande. Les cérémonies en l'honneur d'une divinité ou d'un haut personnage sont-elles l'occasion de danser, et de jouer de la musique. Peu de jeux incas sont parvenus jusqu'à nous, mais la plupart des chroniqueurs rapporte l'existence d'un jeu de dés, la pichoca, 5, en quechua. Le dé pyramidal à 5 faces, utilisé dans ce jeu, servait aussi comme instrument de divination.